Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Et aujourd'hui, quel est le sujet qu'on va traiter? Eh bien, je me lance dans de la broderie. Oui, de la broderie. J'ai commandé un petit kit un peu pourri sur Amazon pour une dizaine d'euros ou 15 balles. Je me souviens plus, je vous mettrai le lien dans la description. Et qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à dessiner ce que je vais broder. Et qu'est-ce que je vais broder? Un champignon Mario qui est en 8 bits et que je vais essayer de reproduire. C'est relativement simple, j'ai un espèce de morceau de tissu dans lequel il y a des espèces de trous qui sont déjà préfaits et j'ai dessiné mon champignon. Et ensuite, je vais prendre une aiguille spéciale qui pique mais pas trop et du fil spécial pour la broderie et je vais commencer à faire des points. Alors, je vais pas être super précis sur les points parce que je suis pas un spécialiste et c'est pas non plus mon ultra spécialité, point de croix, point de machin, point de bidule. La seule chose que j'essaye de faire, c'est de remplir et de suivre les différentes lignes. J'ai commencé avec du fil au pseudo rouge et là j'ai un fil qui est un espèce de bleu très très pâle qui ressemble un peu à du blanc. Et donc je remplis ligne par ligne et point par point les différents éléments. Alors plus on met de fil, plus ça devient difficile de passer l'aiguille, mais j'essaye de faire en sorte de faire ça calmement et proprement. Le tout a duré à peu près une petite heure pour arriver à faire ce merveilleux champignon Mario. Et c'est vrai que la grosse difficulté, c'est au bout d'un moment d'arriver à positionner correctement l'aiguille exactement au bon endroit. Au début c'est simple, et puis de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Mais rien de très compliqué, c'est juste la mise en place de l'aiguille, mais il suffit de suivre correctement le dessin, et c'est parti. Là pareil, j'avais pas de noir, donc j'ai pris un bleu très très foncé. Alors si j'avais pas de noir, c'est que j'ai fait des tests, on le voit un petit peu en haut, une espèce de tête de mort et des trucs un peu bizarroïdes pour appréhender un peu le médium. Et donc là je prends un espèce de bleu marine très très foncé qui ressemble quasiment à du noir. Je fais le tour, et ensuite je vais aller remplir toutes les petites cases qui me restent à remplir en noir. C'est pas très compliqué, c'est juste être précis et ne rien oublier. Et c'est plutôt un travail zen. En général, j'écoute un podcast ou je fais un truc pendant que je suis en train de faire ça. Le but, bien sûr, il est quoi? Il est d'essayer de me faire mes futurs patchs. Ça va être trop bien. Et voilà le résultat. Mon champignon Mario à côté de mon cube. Peut-être je ferai un épisode un peu plus précis, mais pour l'instant, c'est tout. Merci à tous pour vos visionnages. Que la barbitude soit avec vous et à très bientôt.